Il est 20h, dans un instant, vous allez découvrir sur vos écrans le visage du nouveau président de la République. Au terme d'une longue campagne, les 47 millions d'électeurs français ont fait le choix ce dimanche. Qui sera à la tête de l'État durant les 5 prochaines années? Le sandwich triangle devient le nouveau président de la République après une carrière explosive dans le porno et s'est relancé dans une reconversion en filet maillot un... C'est le sandwich triangle avec 65,1% des suffrages qui arrivent en tête. On voit la foule de militants qui acclament le sandwich victorieux. Certains agitent des cornichons en direction du nouveau... C'est marrant, je vous trouve bien silencieux, vous deux, là. C'était ça ou le balai à échec, Léa? Arrête-toi ou ça va repartir. Léa, laisse ton père tranquille, s'il te plaît. Ok, ok. Donc la banquise qui fond et les SDF qui gèlent dehors, ça vous fait ni chaud ni froid, hein? Oh, ça va pas recommencer. On a tous une vie assez compliquée comme ça. Mais arrête, papa! T'es cadre et on part tous les ans en voyage. Ah bah heureusement que tout le monde n'est pas aussi extrémiste que toi, sinon on serait déjà au goulag pour 2 semaines d'hôtel. Non mais je vous parle de se battre pour changer les choses. T'es pas choqué qu'on perde encore 5 ans, là? Ma fille apprend déjà à ranger ta chambre. On verra pour sauver le pays plus tard. Franchement, tu me fais de la peine, papa. Il y a 5 ans, tu voulais changer le monde et aujourd'hui t'es devenu le cliché des 68 arts aigris et crevés. Bon, Léa, ça suffit. On vit et on vote comme on veut. D'accord? Maman, t'as pas voté pour une tranche de pain de mie quand même. On a voté pour le sandwich en âme et conscience. Alors tais-toi et mange. Non, vous avez pas fait ça quand même. Ma fille, c'était le sandwich ou le fascisme. Si tu lui avais pas fait les remarques à l'âge de 12 ans, elle nous ferait moins chier aujourd'hui.